choose your character. Hey, salut à tous, c'est Kat, aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur Overprime. Pour Overprime c'est quoi? Overprime c'est un free-to-play qui arrivera, alors je crois que c'est cette année, il me semble qu'ils avaient annoncé cette année. C'est un MOBA, alors vous voyez certains ont peut-être connu Paragon. Paragon avait laissé des assets, Epic Games avait laissé des assets de Paragon sur Unreal et les gens pouvaient donc refaire ce qu'ils voulaient avec ces assets. Et certains studios se sont dit, bah écoutez, on va refaire un peu un Paragon, machin, voilà. Et du coup, il y a trois studios qui ont fait ça. Et donc, il y a trois jeux, hein, typiquement, qui ont résulté de ça. Et on a donc ici Overprime, qui est en bêta fermée à l'heure où je tourne, donc le 29 avril. Et elle sera en bêta fermée Steam jusqu'au 9 mai, 5 ou 9 mai, je sais plus. Donc ça laisse à peu près une semaine et demie de test. Alors Overprime, c'est littéralement un MOBA à la Paragon en vue de TPS. Vous allez le voir un petit peu. Là, il faut savoir qu'il y a un dictaticiel que j'ai fait, je ne voulais pas assez, je ne voulais pas montrer forcément. Il y a une collection, on n'a pas tous les persos bien entendu, on va voir qu'il y a d'autres persos qui arriveront plus tard, etc. Certainement. Pour l'instant, voici les persos de base, il y en a une quinzaine, je crois. Voilà. Donc, il y a trois jeux, il y a Overprime qui sera un free-to-play, voilà, et il y a Fault qui lui par contre est payant, je crois, alors, je ne sais plus à quel prix, etc., mais il est payant. Et il y a aussi Predecessor qui, j'attends aussi, qui lui par contre arrivera en fin d'année, c'est certain, en tout cas ils ont annoncé l'arrivée. En fin d'année après un stress test des serveurs, je sais plus c'était quand, je crois que c'était au mois de mars si je dis pas de bêtises, donc je sais plus si c'était mars ou janvier, enfin bref c'était en début d'année, voilà, donc tout simplement c'est un MOBA avec des héros, typiquement on a des tanks, on a des supports, voilà, comme alors Muriel c'est Hera maintenant, voilà. Ils ont changé les noms des persos, donc si vous avez connu Paragon, c'est normal que vous voyez qu'il s'appelle pas Gideon mais Cosmos typiquement. Enfin bref, ça on s'en fiche, mais ouais, il y a des classes, guerriers, tank, assassin, mage, rôdeur, soutien, tout ça. Hop, si j'enlève tout, il y a tout. Donc bien sûr il y a une difficulté, hein, vous voyez, difficile, facile, donc ils disent à peu près comment jouer certains persos, tout ça. Le jeu, alors il est free to play, mais il faut bien gagner un peu d'argent. Donc il y a un système de coffres. Alors les coffres, on gagne de l'argent, je crois, pendant les parties. J'ai encore fait aucune partie, hein, sur le jeu. Je vais être nul à chier. On va faire une game dans cette. Voilà, on n'a jamais touché le jeu vraiment. On arrive, on va rentrer dedans, on va mourir instant, on va perdre au bout de 10 minutes. Mais au moins, vous aurez vu le jeu. Voilà, voilà. Donc là, on a, vous voyez, donc on peut acheter des. Je sais pas comment vous appelez ça. Des trucs bleus. Il y a de l'or voilà, qu'on gagne en finissant des parties. Donc là on a alors là apparemment on pourra peut-être acheter des persos plus tard parce qu'il y a quand même un truc dans boutique héros, donc on pourra peut-être acheter les héros plus tard. Les apparences, on pourra acheter des apparences effectivement pour les persos. Bon le profil, ça revient à dire voilà, regardez, j'étais vachement fort, hein, j'ai joué 0 minute avec tous les persos, je suis un monstre ou quoi là. Enfin voilà. Donc là, ah, c'est les portraits, c'est si je veux mettre ma tête sur un truc. Ouais, non, hein, pour l'instant, non, hein, je sais pas qu'est-ce que je vais jouer, donc au secours. Et donc, dans ces coffres, bah, vous avez des skins, hein, que vous pouvez avoir, typiquement, si je vais dans apparence, là. Voilà, moi, on a au départ, quand on a lancé le free-to-play, on avait 10 000 d'or offert. Donc, j'ai pu ouvrir 10 coffres, et du coup, j'ai eu quelques petits trucs. Je vous les montre si jamais ça en intéresse certains. J'ai eu ça, je sais plus ce que j'ai eu. Au secours, je voulais mon vite zef, voilà, j'ai eu ça, qui est très stylé d'ailleurs. Ouais, je m'en vite fait, hein, on n'est pas là pour tergiverser, voilà. On a, ça on avait rien, je crois, je me rappelle de certains, donc ça il y avait rien. Ça, il y avait celui-là. Voilà, Cosmos, je l'avais montré, enfin Gideon, mais ils l'ont appelé Cosmos. C'est très stylé l'arme ici, avec les bottes luminescentes. Shade, voilà, c'est ça. Elle, je crois qu'on n'en avait pas. On n'en a pas eu énormément, il me semble, mais voilà. Lui, on a eu deux, je crois. Hein. Et voilà. Et elle, on n'en avait pas.
Donc on va aller tout de suite. Alors, on peut pas jouer malheureusement avec une IA. J'aurais bien aimé tester avec une IA. Le problème c'est qu'on ne peut pas jouer avec une IA, donc on va devoir jouer avec des vrais gens, donc on va pas pouvoir. Voilà, j'ai essayé de faire comme mon plus possible pour vous présenter un peu le jeu, mais je vais me faire forcément défoncer par tous les joueurs qui vont venir devant. Sachant que je ne suis pas un gros joueur de MOBA. Donc autant vous dire que ça va être un peu la merde. Faut savoir que j'ai jamais joué au jeu. Non, c'est, faut que ce soit clair et net. Et j'ai zéro partie, zéro heure, zéro minute sur le jeu. J'ai juste été par contre, parce que j'ai fait des vidéos en avance, parce qu'il y a une sortie de vidéo qui va arriver après cette vidéo. Oui, c'est bizarre, j'ai tourné des vidéos avant mais qui vont sortir après. Sur les différents champions. Donc j'ai pu tester un peu vite, très vite fait, les différents champions. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais jouer. Mais voilà, j'ai fait une vidéo avec tous les champions, donc tous les héros. Donc si vous voulez en savoir plus sur certains héros, là, je vous inviterai à regarder dans les prochains jours les vidéos sur Niro qui arriveront. Tout simplement, donc en étant honnête, j'ai utilisé les héros en terrain d'entraînement, donc en stand de tir, on pourrait appeler ça comme ça. Mais pas en game. En game, je les ai jamais joués. Je ne connais pas vraiment la map. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Paragon. Je ne sais même pas comment ça se joue, genre en pur et dur, les tactiques et tout ça. Je n'y connais absolument rien. Le système d'achat, vous allez voir, ce n'est pas un système d'achat à la Paragon avec des decks, mais avec des items. D'ailleurs, ça sera bien un peu aux runes et tout ça. Je vais vous montrer ça dès qu'on sera en game et dès que j'aurai choisi un champion dont je ne sais même pas ce que je vais jouer. Hein, c'est... Je sais même plus où est la solo lane, où est la duo lane, je ne sais plus rien. Solo. Lui, il va solo, bah écoute, va solo lane. Moi, je sais même pas. La solo, je crois que c'est la mid. Non, non, la solo, c'est à gauche ou à droite, oh, je sais plus. Je sais pas ce que je veux jouer, au secours. Je connais aucun des persos. Et bah on va prendre on va aller partir mid. On va partir mid lane, hein. Voilà, on va partir mid. Ah, aucune idée. Il me semble que mid c'est les mages. Mais ma connaissance du jeu s'arrête vraiment très bas. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué. Ah oui, y a des... Ouais, tiens, vas-y, mets-moi ce skin là, voilà. Un joueur est parti avant le mini-match. Ah bah énorme. Ah, c'est génial, ça rage quitte. Cynthia nous a pas dit sur quoi elle va, parce que je pense que peut-être que le gars ne sait pas non plus comment ça joue. Donc on va vraiment jouer au jeu. Sans jamais vraiment y avoir joué. Hein. Par contre, très jolie transition. Alors. Vous voyez que c'est pas comme dans Paragon. Dans Paragon, on avait un système de deck, mais qui avait été décrié à l'époque, comme quoi que c'était quelque chose d'assez mauvais. Donc là, je suppose qu'on prend quoi? Dekima, c'est quoi? Puissance magique. Bah écoute, on prend ça. On prend la potion de mana, parce qu'on aura besoin peut-être de la popo de santé. Je sais même pas où est-ce que je vois mon argent là-dessus. C'est énorme. Voilà, bon, je vais prendre ça et... Alors... Je me rappelle plus de comment elle s'appelle déjà. Ah mais elle est partie. Oh putain, mais au secours. Hein. Ah ouais, non mais elle est partie middle. Oh là là, bah, au secours, c'est moi qui avais pris mid et elle me fait chier avec le mid alors que c'est moi qui avais dit qu'elle est au mid, mais bon, pas grave. Ah mais c'est vrai qu'on a un travel mode, donc un mode de voyage où on court plus vite. Ce qui n'était pas le cas dans tous les paragons like. Prédécesseur, je crois qu'il n'y en a pas. Par contre là j'ai des grosses pertes de FPS, j'ai l'impression. Alors je sais même plus c'est quoi son drone. On va attendre là un petit peu. Il faut attendre que les gens arrivent. Donc voilà, donc là vous voyez que la map est assez jolie hein, quand même. Par contre ouais, j'ai des baisses de FPS de fou. Alors. Ouais, voilà, voilà, faut que je baisse les FPS, faut que je baisse le jeu. Voilà. Ok. Mais après, ça c'est un ADC, ça c'est un assassin. Ok, on prend. Ok, on l'a touché. Oh là là. Oh là là. On est quasiment mort. Oh, on l'a eu. Ouais. Bon par contre on a des petits lags, faudra qu'on baisse la qualité, je sais pas, à mon avis.
Hop, on va faire ça. On va peut-être rejoindre un peu. Parce que là on a encore un peu de. On a encore un peu de mana, donc on va pouvoir continuer un peu quand même. Ok. Alors, le problème c'est que normalement elle est pas censée être là hein, la meuf. Hein. On va pouvoir améliorer une compétence. Ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer genre la grenade. Histoire de défoncer un peu plus. On a deux creeps. Le but c'est d'essayer de push je pense. On va essayer de push assez vite. Oh oui. Oh oui, reste dedans. Oh là là, reste dedans. Oh là, c'est incroyable. On a plus de mana par contre, va falloir y aller. On va se barrer, on va revenir au point de départ. On se met derrière la tour et on se fait TP. On va se faire TP et on va essayer de voir ce qu'on peut prendre. On a 1000 de pognon, donc on va voir ce qu'on peut s'acheter. Donc là, on a. On peut prendre quoi ? J'aime 2 mana, 100 de mana, une régénération de mana. On va peut-être prendre ça à 400. Est-ce qu'on peut prendre un truc qui permet. Ça, ça donne quoi? Ça donne de la puissance magique. On va prendre ça, je pense, et on est pas mal. Merde, excuse-moi. Voilà. On va prendre ça et on va y aller avec ça. Donc, comme bah, la plupart des mobas, il y a 3 lanes, hein, une voie où on n'avait plus d'enduo. Et il faut détruire les tourelles pour aller jusqu'au Nexus voisin, au Nexus là-bas, qui est là-bas, c'est le cœur, vous voyez là, nous on a un bleu, ils en ont un rouge, il faut aller le détruire tout simplement. Alors du coup, alors là j'ai pas de baisse de FPS donc c'est bizarre, donc je pense que c'est la plus de la cour. Hein. Voilà. On va augmenter une capacité, je pense que ça va être notre A. Et on va on va essayer de casser le plus de creep hein. Je pense que c'est pour ça qu'on va on va essayer de maximiser un peu les voilà. On va essayer de maximiser un petit peu le fait de pouvoir défoncer les creeps. Voilà. Le but c'est que ça push. Ah j'ai pas réussi à avoir le dernier coup. Ok. L'esprit de prix. Oh là, au secours. Ils ont réussi à avoir la bébête. Alors j'ai l'impression qu'ils donnent pas d'infos ou alors c'est moi qui les vois pas. Ok. Hop, on va courir directement. Alors je viens de voir que ils ont pas. J'ai pas assigné mes touches j'ai l'impression. Ok, ok, ok. Bon, ça se passe. Ok, elle vient vers moi. Ok, je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est complètement folle. Mais elle va mourir, hein. Elle est complètement. Bah oui, bro, qu'est-ce que tu fais Ok, donc là on a notre ulti. On va la prendre quand même. Hein. On va essayer de juste se mettre là pour pouvoir se barrer. On a mis un petit peu tout et on se barre. Le problème c'est qu'à gauche ça tient pas, j'ai l'impression. À gauche ça tient pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Alors là on pourrait prendre plus de puissance magique, je pense, c'est ce qu'on va prendre. Voilà, on va prendre ça. On n'a plus d'argent, mais c'est très bien. Donc le problème là, c'est qu'on essaie de se démerder comme on peut. Hein, on essaie de se démerder comme on peut. Pour l'instant, je gagne ma lane. Hein, j'ai un peu la supériorité numérique à chaque fois. Voilà. Alors, si elle reste dedans, elle perd.
faut pas que je reste dans les minions par contre, sinon on est dans la merde. Bah voilà. On l'a eu hein, on l'a eu ici carrément. Voilà, pour l'instant ça se passe. On a vu quelqu'un hein, faut qu'on détermine cela. Par contre je peux pas prendre la potion de soin parce que c'est pas mappé je crois sur mes touches. Non non beau. Non non mais. Elle va revenir à vaincre l'esprit de terre là. Regarde me faire perdu, ça va être la galère. Ok. Pour l'instant, c'est mitigé hein. Ouais, il met bien la max. Oh là, je suis. Voilà, j'ai moyen. Ah j'ai été gank. Bon ça s'est bien passé mais là on fait un peu de la merde hein, on va pas se mentir qu'on est un peu nul à chier. Par contre je peux. Est-ce que je peux essayer d'avoir Alors du coup on a ça mais. On peut pas les améliorer normalement. Comment tu les améliores? Normalement je suis censé pouvoir les améliorer. Voilà. Ok bon on va voir comment ça se passait. On va essayer. Ah, le problème c'est que le middle est pris, enfin le middle va être quasiment détruit si ça continue. Oh là là ouais. Ok on est un peu dans la merde, je pense que c'est perdu hein, la game. Je pense que la. Je pense que la toile. Ouais là c'est un. Ouais, je suis dans la merde. Je suis tout seul, il est. Ouais. Ouais. Je suis tout seul dans une lane où il y a un guerrier, je suis un rôdeur, qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, personne va m'aider. Ouais. Ah oui, mais on a perdu! Mais oui, on a deux joueurs en moins! Énorme! Excellent. Bon, on a deux joueurs en moins. On a deux joueurs en moins, ça explique pas mal de choses. Bon, c'est une bêta, c'est pas grave. Bah, du coup, vu qu'on a deux joueurs en moins et qu'on est sûr de perdre, hein, parce que là, clairement, deux joueurs en moins, comment vous voulez. On est trois, il y a trois lanes, dont une où il en faut deux. Comment vous voulez gagner quand on est trois? C'est pas possible. CQFD, c'est pas possible. Bon, voilà, hein, c'est abandonné, on a abandonné, hein, typiquement. Parce qu'on avait trois persos en moins. Hein, on avait trois persos en moins. On a abandonné parce qu'on avait trois persos en moins. On voit qu'en termes de kill death, tout ça, bon, voilà. On avait 3670 heures, ce qui faisait qu'on était le deuxième de la partie quand même. On n'était pas les plus mauvais, clairement pas. Bah, on était même le deuxième meilleur. On est mort une fois à la fin à cause du guerrier, hein, sinon on aurait fait 3-1-0. Et encore, oui, 3-1-0, oui, je crois que 3-1-0. Donc voilà, bon après, ah, on peut aller voir dans les graphiques. En termes de dégâts, assez moins, ça. Ah oui, donc dans l'équipe, c'est moi qui fais le plus de dégâts, quoi. Ah, ok. Bon, bah voilà, on a fait le plus de dégâts. Au secours. Dégâts au héros, ah oui, on était. Dégâts au serviteur, 19 000. À part ces deux-là, à part les deux ennemis-là, y a personne qui a fait plus que moi, quoi. C'est. Dégâts bâtiments, bah le problème, c'est que dégâts bâtiments, t'es pas support, quoi. Y avait personne pour venir m'aider. Dégâts subis, 3400. Elle a subi que 93. Je crois qu'elle a voilà, 0-0-0, elle a pas joué quoi, c'est limite si elle avait pas joué. Bon, série d'animation 3, voilà, on est. De toute façon on est que tous les deux à avoir fait des séries d'animation du coup. Butter tué 40, contrôle de masse, bon bah voilà. Bref. Je pense que. Ah on a quoi? On a XP de deux joueurs, donc là on a gagné un petit peu d'XP. Voilà. Alors je sais pas si on peut on voit où est-ce qu'on a gagné un peu d'or. Hein. Ah, on a gagné un peu d'or, on a gagné 1000. Bah écoutez, on va vous offrir un corps quand même. Je voulais vous montrer la map, mais comme de toute façon ils ont abandonné, on ne pouvait pas, je pouvais pas vous montrer. Et on a gagné clou de rubis. Ok, très très bien. On va aller voir ça, vite fait.
Donc voilà, c'est le problème, c'est que vous aurez pas vu grand chose malheureusement, mais je vais pas retourner 50 parce que si à chaque fois il y a des gens qui. Parce qu'il y a des gens, comme vous l'avez vu là, comme il y a des gens qui rage quit, qu'il y a des gens qui des fois bah, ils sont dans les menus, c'est une bêta, donc les gens ils sont là en mode ah bah si, t'as pas, si j'ai pas pu tester ce champion là, tu l'as pris, bah moi je peux pas le tester donc je joue pas. Ah, c'est une bêta, c'est les gens ils sont un peu comme ça. Hein, bon. Voyons, c'était qui a eu ça alors qui c'est qui a eu le machin? Alors. Est-ce que j'ai pas vu c'était qui hein c'est pas lui, pas lui, enfin, pas elle du coup. Non. Ah, le début c'était lui. Voilà, what the fuck. Ok. Vénère de ouf. Des très jolis skins quand même. Hein. Des très très jolis skins. Bon, ça va. Une partie, on a gagné 1000. Avec une partie, tu peux gagner un skin quasiment. Ça. Et c'est gentil quand même. Sachant que si on a deux fois le même skin, j'ai été remboursé de 300 parce que j'avais eu deux fois le même skin tout à l'heure. Donc t'es quand même remboursé, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc voilà, bon j'ai pas pu tout vous montrer malheureusement parce que bah voilà la partie était ce qu'elle était hein. Écoutez, dommage qu'on avait bien géré la première partie et en mid lane on était tranquille, on était bien. Malheureusement bah The Glor apparemment avec moi n'était pas satisfait hein, malheureusement. En gros voilà, il y a 3 lanes, on n'a pas été voir hein, parce que normalement si on avait été voir dans la jungle, il y a une jungle hein, ce qu'on appelle une jungle dans les MOBA, c'est un endroit où il y a plein de petits mobs. Des petites créatures, des cerfs, des trucs comme ça, plus ou moins fortes, qui donnent plus ou moins d'expérience. Et certaines ont des boosts, donc des boosts, enfin des boosts, des orbes. Des orbes qui permettent de régénérer un peu de mana, des orbes qui. Il y a une orbe qui permet de régénérer de la vie. Et il y en a une, je crois, qui permet d'avoir plus de dégâts. Hein. Donc c'est des orbes que vous avez en tuant certains types de monstres. Et normalement, chaque équipe a une orbe rouge, une orbe bleue et une orbe verte. Est-ce qu'elle est verte? Peut-être qu'elle est verte, je sais plus. Mais normalement, chaque équipe a une équipe comme ça. Sauf que vous pouvez aller piquer. Aux ennemis si vous allez dans leur camp pour pour la prendre à leur place. Bref, assez stratégique, mais ce genre de jeu. Donc voilà, bon malheureusement, j'aurais pas pu vous montrer plus que ça. Au moins on aura tué des gens, on aura utilisé une ulti bien placée. Voilà, écoutez, on a fait notre mieux entre guillemets. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà, à vous abonner, mettre la cloche de notification. Et si le jeu vous intéresse et que vous en aurez un petit peu plus, sachez que dans les prochains jours, vous aurez normalement une présentation de 2 héros par jour. Comme ça, vous pourrez voir à peu près quel style de gameplay utilise tel perso et quel perso vous pourrez vous plaire, typiquement. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne journée et à une prochaine. Salut à tous!